Bonjour à tous, c'est pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on est de retour sur Resident Evil 5 pour poursuivre le Let's Play. On s'était arrêté à... Je ne sais plus où on s'était arrêté. Je sais qu'on avait battu un boss mais je me souviens plus du tout où on s'est arrêté. Bon ok, ça arrive de perdre la mémoire, hein. Moi c'est souvent le cas mais bon c'est pas grave. Donc sans plus attendre les amis, on part direction Resident Evil 5. Ok, donc voilà, c'était ici qu'on s'était arrêté, ça me dit rien du tout. Où est-ce que je dois aller? La carte! Ok, allez tout droit. On y va là. Ok. Est-ce qu'on peut entrer ici? Ouvrir. Je crois que j'ai jamais fait... je m'étais arrêté par ici en fait à l'époque. Je crois que j'ai jamais joué ici. Putain, il y en a un là-dedans. Oh putain! Tiens. Boum! Voilà. Je prends des munitions. Ok, ouvre cette porte. Ouvre cette porte! Ouvre cette porte, dépêche-toi! Il y en a encore. Là, là, qui me saute dessus. Putain, je tiens encore. Voilà. Attendez, attendez. Ouh, examinez. Une tronçonneuse. Oh, dégueu. Je vais pas savoir ce qu'ils font ici, moi. Un cadavre animal grouillant d'asticosa en peste. Oh, mais moi, je vais pas savoir ce qu'ils faisaient ici, hein. Écoute, tu vas. On va se dépêcher de sortir d'ici, hein. On va aller s'il n'y a pas des choses à casser et tout. Mais c'est dégueulasse. On va pas rester ici, trop longtemps. Alors, la carte, j'allais de ce côté-là. Comment est-ce que je peux me casser d'ici? Attendez, faut que je regarde la map. Là, je suis vraiment coincé. Comment je fais? Comment je fais pour passer ici? Il y a sûrement un truc par là, non? Voilà, c'est ici. On va chercher ça, Shiva. Ok. Et t'as pris des trucs pour moi là. Pourquoi tu casses pas ça? Je suis sûr qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est pour ça. Ah non. Ok. Ouh là là. Oh. Il tire pas dessus. Je vais t'entendre t'écraser. Kirk, what's going on? Come in, Kirk. Eh, y'a pas de boom. C'est nul. Bon, on n'a rien entendu. Ok. Vas-y, suivant, voilà. Ouais. Oh, oh, oh. Tu veux pas m'aider? Ah oh, bah ok. Moi, je vais à pied, alors. Moi, je vais à pied, Shiva. Oh, 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 oh. Shiva, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Putain. Shiva. Ok. Encore un, là. Attends, moi, je vais casser ça. Tu allais dessus. Pendant que je m'occupe d'ici, moi. Ah, c'est bien, Shiva. Attends, attends, moi je m'occupe de lui, pas de problème. Oh, ici, un petit problème. J'ai plus de munitions. Attends. Shiva, tu m'enlèves tous les honneurs, là. Je voulais juste foutre un petit coup de couteau, de finir au couteau. Ok. Oh là là. Shiva. Il y en a plein. Je peux pas passer en force. Oh mais elle tire bien. Elle tire tout dans la tête, comme moi, regardez-moi ça. Oh oh. Ah mais elle vise bien, hein. Oh mais elle est forte. Oh mais elle est forte. Allez. Viens. Yeah. Elle a plus de mission. Ah, tu me laisses seul face à lui. Il est mort. Ah ouais. Tu me rejoins? On n'a plus rien, munitions de pistolet. Ah, j'aurais dû te les laisser, mais c'est pas grave. Oh là, c'était chaud là. Voilà, comme ça, ça va me faire un peu de place, je pense, pour prendre mes munitions. Voilà. Je prends tout, ça te dérange pas? Voilà. T'es prête? Attends. Attends. Ah non, je veux pas te passer mes munitions. Attends, ça, tu pourrais me donner ça? Tu pourrais me donner ça? Demandez. Ouais, merci. Je suis rempli. Question mitraillette, alors là. Je les garde. Pour un futur boss. Vas-y, va chercher la plante. Voilà. Ok, on peut ouvrir. Mais je vais juste voir s'il y a des choses. Ok, on peut aller à l'étage. Oh, mais là.
salaud. Voilà. On va passer ici. Je prends. Et encore. Regarde, tu apprends comment il faut viser. Maintenant, un coup de baïonnette. Il est tout seul, on peut le faire comme ça. On peut le buter comme ça, d'accord? Ok, tu vois, j'ai économisé en tout cas 2-3 munitions. Hein. Je dois aller où? Ah, c'est juste. Oh! Oh! Eh ben, merci franchement de tout mon cœur, parce que alors là, elle m'a sauvé la vie. Hein. Heureusement qu'on a une femme à nos côtés. Hein. Je serais mort plus d'une fois sans ma Shiva. Alors, je vais sauter. Allez, saut périlleux. On a vu sous ta jupe, Shiva. Ok. On est mal barré. Je dois aller où, moi? Descendre, ok, je pense que c'est ça. Il y en a plein ici. Merde. C'est elle qui est mal barrée, là. Elle est là-bas, ok. J'arrive pas à les viser, ok, il faut dépêcher d'aller chez elle, je pense. Je ne sais pas comment t'aider, Shiva. Je ne sais pas comment t'aider. Je ne sais pas comment faire pour venir vers toi. Elle va se faire buter tout à cause de moi. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout comment je peux l'aider. En tuant les ennemis, peut-être. On va essayer. Mais je vois pas du tout, hein. Ah si, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vois pas du tout comment. Ok. T'es où, Shiva? Je peux pas t'aider, hein. Ah, ok. Putain. Oh. T'es où, Shiva? Ah, ici, ok, d'accord, mais il fallait le dire. J'ai pas vu. Ah, ben t'es là. Ah ben, bien le bonjour quand même. Excuse-moi, je t'ai laissé un petit peu tout seul, mais c'est pas vraiment ma faute. Hein. Voilà, fais un peu de spectacle. Alors, viens, c'est tout droit, mon dernier chouchou. Viens avec moi, tout droit. Tu veux une plante? Ramasse. On aura besoin. Ok, c'est si juste. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là, mais... Le bordel, c'était le bordel. Hein. Oh non, le mec a la tronçonneuse. Non. Oh merde. Oh putain de merde. Il nous fait un one-shot, lui, hein. Oh mon dieu, ça me rappelle le téton, tellement j'ai peur. C'est pas le nez, c'est pas le téton. Oh punaise. One shot. Non. Non. Oh putain, on se casse, on se casse, on se casse. Hein. On reste pas ici, on s'en fout. On se casse vite fait, examiner. Il nous faut une clé. Mais bien sûr qu'il nous faut une clé. Il est là, il est là. Il est là, Shiva. Shiva, il est là. Putain, prends des munitions. Il nous faut une clé, putain de merde. La clé, elle est sur lui. Putain, je suis sûr que la clé, elle est sur lui. Je suis sûr qu'elle est sur lui. Da, da, da. Ah bah, mais moi je peux pas t'aider, hein. Attendez, attendez. Équipé. Là, ça va barder. T'es prête? Oh, vite tout ce qu'on a. Comment on fait pour le buter? Ah merde, c'était ça, il fallait... Ah oui. Attendez, 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 attendez. Pistolet, équipé. On va le buter comme ça. Vas-y, 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 Shiva. Regarde ça. Viens, 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 viens. Faut qu'il vienne là. Faut qu'il vienne là. Il vient bien là. Et il a disparu. Non! Il est encore là, putain! Comment faire pour aller chercher cette putain de clé? Ouh, on est dans une période de stress, c'est ça. Putain. Est-ce qu'on peut le buter ou il y a une façon de le buter? C'est ça le problème. C'est ça que la chose qu'il faut savoir. S'il y a une façon de le buter, ça sert à rien de tirer dans tous les sens. Là, on va essayer d'aller là. Là, c'est où je suis arrivé, là. Non, on va essayer... Ah, là, 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 là. Viens, Shiva, on va l'amener là, il est là. Viens. Viens, petit. Tchou, bonne nuit. Ouh. Ouh, on fait de la boxe.
Putain, mais ils sont partout. Prends ton fusil à pompe, Shiva. Attendez, on peut dans la voir, c'est fini. Oui, je peux entrer par une petite porte, à voir. On va vite le temps de péter ça. Vas-y. Je peux entrer par une petite porte, là, normalement. Non. J'ai vu qu'il y a quelque chose. Oui. On est sauvés. Il y a sûrement encore des trucs là, pour faire péter. Putain, mais ça en est rempli, quoi. Prends ton fusil à pompe, Shiva. Prends ton fusil à pompe. Allez. Putain, je tire toi à côté, je suis nul. Ah, je peux faire un... Vas-y. Merde. Vas-y. Oh non. Non. Oh putain. Ah, on est dans la merde. Vas-y, lâche pas les buter, là. Allez. Mais je peux pas le buter, c'est ça, en fait. C'est dans l'incendie, équipé. Ah bah, moi, j'ai buté, je crois. Je crois que j'ai buté. Ou pas. Oui. Ouais, clé du garde, c'est bon, j'ai buté. Allez, Shiva, viens. Attends, je vais changer d'arme, j'ai le temps. C'est bon, maintenant, c'est des petits zombies, viens. Dépêche-toi. Oh, c'était chaud, les amis, mais... J'ai réussi. Je me suis un peu flambé les pieds, mais j'ai quand même, finalement, réussi. On a réussi, avec Shiva, pour l'oublier. Voilà. Ah, ouvrir. Vite refermer la porte. Alors, fais-moi les malins. Ouvrir. Oh là là, on a sué les amis. On a sué, enfin j'ai sué les amis. C'était chaud. Mais on a réussi. Alors maintenant, on est peut-être dans un moment un peu plus tranquille. On doit aller vers l'hélicoptère, je pense. Voilà. Donc je pense qu'on doit aller vers l'hélicoptère. On est mal en munitions. T'as quoi dans la main? Ton fusil à pompe, ok. Quoi? Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, on ouvre. L'hélicoptère, je pense. Attention. Je pense que c'est l'hélicoptère. Oui. Il y a des barils pour faire exploser, donc il va y avoir un boss, à mon avis. Celui-là, je sais pas comment il faudra le buter. On a une voiture. Une moto. Une trottinette. Oh. Oh putain, voilà. Oh non, salaud. Au secours, Shiva, aide-moi, aide-moi, help me. Help me, moi, Shiva. Waouh, mais quelle femme. Il y en a plusieurs en fait. C'est le gang des motards. Oh là là. Ouais, j'avais jamais fait cette partie là. Je m'étais arrêté avant. Je découvre le gang des motards. Wow. Oh, quelqu'un qui nous a aidé là. Sniper. Ok. Un mec bien... Oh, arc. Un mec bien sympa qui nous aide là. Wow. Enfin. Toute une équipe qui nous aide. Oh, c'est con, hein. Les zombies qui savent faire de la moto, c'est excellent. Thank you very much. On est plus seul. On est plus seul du tout, les amis. On est en équipe.
va être trop facile maintenant. Man, am I glad to see you guys. Dr. Dean, Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Ouais, il sort pas. Il sort pas. Ok. Jill. What the? Elle est ici. Chris, are you all right? This picture, it's. Forget it. It's nothing. Ok. Let's move out. Jill est peut-être là. Voilà les amis, on est arrivé à la fin du chapitre 2.1 et par la même occasion de cette vidéo, on fait juste un petit tour du côté des statistiques. 71% de précision, c'est bien, c'est très bien. 53 ennemis vaincus, c'est bien, peut-être même trop. Hein, j'ai utilisé peut-être trop de munitions pour battre mes ennemis. Mort 0 fois, c'est normal, je suis immortel, je suis un super héros. Et on s'arrête ici et on débutera avec le nouveau chapitre dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de commenter et aussi de vous abonner. Hein, ce serait super sympa de pouvoir faire monter. Hein, on arrive à 300, 400, 500, 600, 1000, 10 000, 100 000, 1 million abonnés. Vous vous rendez compte si un jour on arrive à 1 million d'abonnés? Oui, je sais, je rêve, c'est impossible, je sais, j'en ai conscience, hein, je suis pas débile à rêver de dire « Ah, le jour où j'aurai 1 million d'abonnés », je sais que j'en aurai jamais 1 million, si déjà j'arrive à 1000, ce serait déjà un exploit pour moi, peut-être dans 10, 15, 20 ans, hein, si je continue les vidéos, j'arriverai peut-être à 1000 abonnés, non mais voilà, ce serait bien de pouvoir monter un petit peu, c'est pas que... Oui, je suis un petit peu triste, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va garder espoir. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Ciao.